Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time horreur. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui m'ont souhaité un prompt rétablissement. Vraiment, merci beaucoup, ça m'a touché droit au cœur. Un grand merci à vous. Donc, sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter se passe où? Elle se passe en Arabie Saoudite, et plus exactement dans la ville de Riyad. Et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Selim. Selim nous dit qu'il est marié à une magnifique femme qui s'appelle Fatima et avec qui il a eu 5 enfants. Ils vivaient tous les 7 dans un appartement, un petit appartement, qui, à force, était devenu trop petit pour eux. Ils n'avaient plus de place. Et c'est à ce moment-là que le père de famille, donc Selim, va dire à sa femme qu'il serait peut-être temps de déménager et d'acheter une maison avec plusieurs chambres afin d'y voir grandir leurs 5 enfants. Et là, la femme de Selim va tout de suite accepter. Quelques jours plus tard, Selim et sa femme sont allés voir leur banquier afin de faire une demande de prêt immobilier. Ils ont donc fait leur demande, tout s'est très bien passé. Puis, quelques semaines plus tard, leur banquier va les contacter en leur disant que leur prêt immobilier avait été bel et bien accepté. Et c'est à ce moment-là que les recherches de leur future maison vont commencer. Il faut savoir que seul Selim travaillait et que du coup le prêt qu'ils avaient reçu de la part de la banque n'était pas non plus très énorme quoi. Ensuite, le couple a cherché une maison pendant des mois sans rien trouver. Jusqu'au jour où Selim va tomber sur une annonce immobilière très intéressante. L'annonce disait que c'était une ancienne ferme qui avait été détruite puis reconstruite en une maison familiale de 5 chambres. L'annonce a tout de suite tapé dans l'œil de Selim. Le lendemain matin, il en a parlé à sa femme, il lui montre la maison en question, et là, pour sa femme, ça a été le coup de cœur. En plus, sa maison, elle était dans leur budget, donc c'était vraiment parfait. Le lendemain matin, Selim a contacté l'agence immobilière et leur a dit qu'il était intéressé par cette maison. L'agent immobilier était très enthousiaste et leur a donné un rendez-vous afin qu'ils passent voir la maison de leurs yeux. Quelques jours plus tard, Selim, accompagné de sa femme Fatima et de leurs 5 enfants, sont venus visiter la maison. La visite s'est très bien passée et toute la famille a adoré cette maison. Ça a été vraiment le coup de foudre pour tout le monde. Une fois rentrés chez eux, Selim et sa femme vont discuter de la maison, puis vont se mettre d'accord sur certains détails et vont décider de faire une offre pour la maison. L'offre proposée était un peu en bas du prix affiché, mais ils ont quand même tenté. Quelques jours plus tard, l'agent immobilier va les contacter et leur dire « Félicitations, votre offre a été acceptée ». Le couple et toute la petite famille étaient aux anges, ils étaient tous très heureux. Quelques jours plus tard, Selim a enfin terminé de régler toute la paperasserie qu'il y avait à faire pour l'achat de cette maison. Et quelques semaines plus tard, la maison était enfin à eux et ils étaient enfin propriétaires pour la première fois de leur vie. Quelques jours plus tard, toute la petite famille a emménagé dans leur nouvelle maison et tout le monde se sentait très bien à l'intérieur de celle-ci. Lors du tout premier repas de famille dans cette nouvelle maison, tout le monde riait, tout le monde se faisait des blagues, c'était vraiment, il y avait vraiment une bonne ambiance, ils étaient vraiment tous très heureux. Et ce n'est qu'une semaine plus tard que tout va commencer. Pendant une semaine, le père de famille va faire le même rêve. Il va rêver d'un vieil homme à la peau très noire et aux cheveux blancs, une longue barbe blanche et vêtu d'une tenue un peu d'époque, toute noire, un peu salie, comme ça, un peu sale. Il avait aussi les yeux très brillants, un peu comme les chats noirs. Et cet homme était debout devant un feu de camp dans leur jardin. Il était debout et ne parlait pas. Il était simplement là, debout, à fixer le feu de camp sans bouger. Donc, au bout d'une semaine, là, il va se dire, ça fait une semaine que tous les soirs,
je fais exactement le même rêve de A à Z, donc il va décider d'en parler à sa femme. Il va donc en parler à sa femme, en espérant qu'elle allait peut-être l'aider dans sa problématique. Sauf que sa femme va lui dire « Mais c'est rien mon chéri, ce ne sont que des rêves, ne t'inquiète pas, il n'y a rien du tout, c'est juste des rêves, des cauchemars, t'inquiète pas mon chéri, ça va finir par partir. » Donc Selim il a écouté sa femme, il lui a dit « Oui c'est vrai, t'as raison, c'est que des rêves. » Mais c'est vrai que je trouve ça quand même un peu bizarre que pendant une semaine, tous les soirs, je fasse le même rêve quoi. Le même, dans les mêmes détails et tout ça, c'est trop bizarre. Elle lui a dit « Oui, ça arrive et tout ça, mais t'inquiète pas chérie, c'est rien. » Donc la discussion s'est arrêtée là. Quelques jours plus tard, Selim était en train de faire la prière et juste devant lui, devant son tapis de prière, il y avait un miroir sur pied. Il commence donc la prière, puis arrive le moment où il va se prosterner. Il se prosterne et quand il se relève, il va voir dans le miroir sur pied l'homme qu'il avait vu dans ses rêves pendant une semaine, qui était installé sur son côté droit et qui était en train de le regarder et de le fixer. Cette chose, ce démon, ce djinn, Aoudoubillah Michel Hajim, elle était en train de regarder Selim, elle était en train de le fixer, de le regarder en train de faire la prière. À ce moment-là, Selim a pris peur, bien évidemment, mais il ne voulait pas montrer à cette chose qu'il l'avait vue. Et du coup, il a continué sa prière comme si de rien n'était. Une fois sa prière terminée, il va vite regarder autour de lui pour voir si cette chose était encore dans la pièce. Et là, il regarde et il n'y avait plus personne. Il était seul dans la pièce. Ensuite, il est resté quelques minutes sur son tapis de prière et il a commencé à réciter quelques prières de protection et à demander à Dieu que si cette chose était mauvaise, qu'il la fasse partir. Ensuite, il a pris la décision de ne pas en parler à sa femme, car il la connaît très bien et il savait qu'elle aurait pris peur, donc il a préféré garder ça pour lui. Quelques jours plus tard, alors que toute la petite famille était en train de dormir, Selim va se réveiller en pleine nuit pour aller aux toilettes, et à peine sorti de son lit, il va voir une lumière qui brillait très très fort de l'autre côté de la fenêtre de sa chambre. Bien évidemment, il va aller voir, et là, vision d'horreur. Il va voir dans son jardin le vieil homme avec sa peau noire, ses yeux brillants, sa longue barbe blanche, ses cheveux blancs, avec sa tenue noire d'époque un peu sale, déchirée, très très ancienne, debout dans son jardin devant un feu de camp. Exactement comme quand il rêvait de lui pendant une semaine. C'était la même image, mais sauf que cette fois-ci, c'était réel et c'était dans son jardin. Donc Selim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé pour voir si le vieil homme allait bouger, faire quelque chose, s'il allait avoir un geste ou même un seul regard, enfin bref, il attendait quoi. Mais sauf que ce vieil homme ne bougeait pas. Il restait debout, devant le feu de camp, à fixer le feu de camp, sans bouger. Et ce qui a marqué Selim, c'est que cette chose, ce démon, ce djinn Aoudoubillah, il n'avait pas d'ombre. Il voyait pas son ombre. Et en voyant ça, et en voyant que cette chose n'avait pas d'ombre, voilà, Selim il avait tout de suite compris que c'était un djinn, Selim va dire trois fois « A'oudou billahi min shaitan rajim, a'oudou billahi min shaitan rajim, a'oudou billahi min shaitan rajim. » Et quand Selim va dire « A'oudou billahi min shaitan rajim » trois fois, cette chose, ce djinn, ce démon, va se retourner vers Selim. Il va le regarder, il va sourire, et pouf, plus rien. Tout avait disparu. Le vieil homme, le feu de camp, il n'y avait plus rien. En voyant ça, Selim, il a eu très très peur. Il a vraiment eu très très peur, mais il s'est dit, je dois pas avoir peur, je ne dois pas montrer à cette chose que j'ai peur d'elle. En plus, j'ai une famille. Et il ne faut pas que j'affole ma famille, et voilà, je ne veux pas les apeurer pour rien. Donc il s'est dit, il ne faut pas que je montre à cette chose, à ce démon, que j'ai peur de lui. Mais par contre, cette nuit-là, il a eu tellement peur qu'il n'a même pas été aux toilettes. Je sais que c'est contradictoire, parce qu'il s'est dit, voilà, je ne vais pas montrer à ce djinn que j'ai peur de lui. Et en même temps, il n'a pas été aux toilettes parce qu'il a eu très très peur cette nuit-là.
Mais en tout cas, c'est bel et bien comme ça que Selim a réagi cette nuit-là. Deux semaines plus tard, Selim était seul chez lui à faire un petit peu de bricolage et il était debout sur son échelle. Il était en train de changer une ampoule quand soudain, il va sentir une force énorme le pousser et le projeter hors de son échelle. Le pauvre Selim, il est tombé par terre et il a eu très très mal. Mais comme on dit, il a eu plus de peur que de mal. Ça l'avait tellement marqué qu'il en tremblait. Il était là, le pauvre, il transpirait, il tremblait, il était pas bien quoi. Il était limite à deux doigts d'avoir les larmes aux yeux quoi, tellement qu'il était, il était pas bien. Il se disait, mais c'est qui m'a poussé? J'ai senti deux mains avec une force extrême, une grande force, me pousser et me projeter hors de l'échelle. Je l'ai ressenti. C'est qui en fait? C'est qui? Et il n'arrêtait pas de se poser la question, de savoir qui l'avait poussé. Puis, quelques minutes plus tard, une fois qu'il a repris ses esprits, il a mis du Coran dans toute la maison et il a continué les travaux. Et alhamdoulilah, grâce à Dieu, il ne s'est plus rien passé pendant tout le reste des travaux. Sauf que le soir même, alors que toute la famille dormait profondément, Selim va rêver de nouveau de ce vieil homme. Et là, le vieil homme va lui dire « Je t'ai donné un premier avertissement cet après-midi. Et il n'y en aura pas d'autre. Ici, c'est chez moi. Donc, ta famille et toi, vous devez quitter cette maison, autrement je deviendrai le pire de tes cauchemars. » Et là, il est parti. Et c'est à ce moment-là que Selim s'est réveillé. À son réveil, il transpirait, il tremblait, etc., etc. Il était vraiment pas bien. Et c'est là qu'il a compris que la chose qu'il avait poussée de son échelle, eh ben que c'était le vieil homme. Cette nuit-là, il a eu tellement peur qu'il a récité du Coran toute la nuit. Toute la nuit, il se levait de sa chambre, il récitait du Coran un petit peu sur sa femme. Bon, toute sa famille était en train de dormir, hein, sa femme dormait, ses enfants dormaient, mais il voulait les protéger. Donc il posait délicatement sa main sur la tête de sa femme, il récitait un petit peu de Coran, donc des sourates de protection, et il allait dans les chambres de ses enfants, et il faisait la même chose, il voulait vraiment les protéger afin qu'il ne leur arrive rien. Et cette nuit-là, il a fait une nuit blanche. Il a eu tellement peur que du coup, il a fait une nuit blanche. Le lendemain matin, au petit déjeuner, il y a Selim qui demande à sa femme et à tous ses enfants, donc ses 5 enfants, « Est-ce que vous avez tous bien dormi? Vous n'avez pas fait de cauchemar? Ça va? Rien à déclarer? Rien de spécial ?» Donc sa femme, elle le regarde et dit « Non, alhamdoulilah, moi, grâce à Dieu, j'ai très très bien dormi, j'ai pas fait de cauchemar. » Les enfants, pareil, ils ont tous dit « Non, on n'a pas fait de cauchemar, on a très très bien dormi. » Sa femme a voulu dire « Pourquoi toi, t'as fait des cauchemars ?» Il ne voulait pas lui raconter. Il lui a dit « Non, mais c'était juste pour savoir, c'est juste pour poser la question. » Il ne voulait pas lui raconter parce qu'il ne voulait pas d'une l'affoler et il ne voulait pas aussi qu'elle le prenne pour un fou. Parce qu'il s'est dit « Voilà, si je raconte ça à ma femme, déjà d'une, ma femme elle est un petit peu peureuse, mais elle risquerait aussi de me prendre pour un fou, quoi. Et ça, j'ai pas envie. » Donc il s'est dit « Je vais rien lui dire. » Ensuite, toute la famille prend le petit déjeuner et Selim part au travail. Selim passe sa journée de travail, il était un petit peu ailleurs, il n'arrêtait pas de penser à tout ce qui s'était passé depuis le début de l'emménagement dans cette maison. Il se disait « Voilà, ma maison, elle est peut-être habitée, ou ouais, ça se trouve, c'est peut-être moi qui suis touché par un djinn. » Il comprenait pas trop, donc il se posait beaucoup de questions et du coup, il était un petit peu ailleurs. Et donc, la journée de travail se termine, il prend sa voiture et sur le chemin du trajet, il était tranquillement en train de rouler, il avait un petit peu de musique et tout ça, tranquille. Il roule et là, il va lever sa tête au niveau du rétroviseur et il va voir le vieil homme qui était assis sur le siège arrière en train de le regarder avec un sourire flippant. Là, Selim, il a pris peur, il a tellement eu peur qu'il a mis directement un coup de volant vers la droite et d'un coup, il a freiné. Mais sauf que quand il a mis un coup de volant vers la droite, il a atterri où? Il a atterri sur le trottoir. Et sur le trottoir, il y avait des gens. Il était à deux doigts de taper dans les gens avec sa voiture. Il était à deux doigts de renverser des gens avec sa voiture. Et paf, il a freiné. Il n'était pas bien, il a regardé directement derrière lui.
le vieil homme n'était plus là. Et les gens qui étaient sur le trottoir, ils étaient là en train de l'insulter. Mais t'es fou, regarde comment tu roules, t'as failli nous tuer, etc. etc. Bref, c'est parti vraiment en dispute. Et Selim, après, il s'est excusé auprès d'eux. Il leur a dit, je suis désolé, pardonnez-moi, j'ai eu un moment d'égarement, je suis désolé, alhamdoulilah, grâce à Dieu, il n'y a pas eu de victime, pardonnez-moi, etc., etc. Et la situation, elle s'est apaisée comme ça. Et ensuite, Selim, alhamdoulilah, il ne s'est rien passé de grave, il est rentré chez lui. Et sur tout le trajet, alhamdoulilah, grâce à Dieu, il ne s'est plus rien produit. Le vieil homme, il n'est plus jamais apparu dans la voiture de Selim, plus rien du tout. Et du coup, Selim, il n'était pas bien. Et du coup, il n'osait pas trop regarder son rétroviseur, mais de temps en temps, il regardait quand même pour voir si le vieil homme était là ou pas. Mais alhamdoulilah, le vieil homme n'était plus là. Donc, il arrive chez lui. Et en arrivant chez lui, il y avait sa femme et ses enfants qui étaient rentrés de l'école et tout ça. Donc, les enfants saluent leur père, la femme salue son mari. Et la femme de Selim va lui dire, mais Selim, qu'est-ce qui se passe? T'as l'air un petit peu blanc, je sais pas, t'as l'air pâle, t'es bizarre, qu'est-ce qui se passe? Ça va mon chéri? Il va lui dire, non, alhamdoulilah, t'inquiète pas, grâce à Dieu ça va très très bien, mais j'ai juste failli avoir un petit accident, mais rien de grave. Elle, tout de suite, elle s'est inquiétée, elle a cru que c'était un truc grave et tout ça. Et il lui a expliqué, mais il lui a pas dit qu'il avait vu le vieil homme dans le rétroviseur. Il lui a simplement dit, voilà, j'étais un petit peu fatigué. J'ai mis un coup de volant sur la droite, après j'ai freiné, mais t'inquiète pas chérie, rien de grave. Donc sa femme, en entendant ça, elle était quand même un petit peu inquiète, elle lui a dit, vas-y, installe-toi sur le canapé, reprends des forces, je vais te préparer un sandwich, comme ça tu reprendras bien des forces. Il lui a dit, non, là franchement, merci beaucoup chérie, mais là j'ai vraiment pas faim. Elle a insisté, mais il lui a dit, non, vraiment là j'ai vraiment pas faim, j'ai pas envie de manger. Donc elle lui a dit, ok, pas de problème, et elle est partie de son côté. Et pendant toute la soirée, Selim va repenser à ce qui s'est produit dans la voiture. Il n'arrêtait pas de repenser au vieil homme qui était apparu dans son rétroviseur. Il n'arrêtait pas de repenser à ça. Il était en flip. Et du coup, pendant toute la soirée, Selim va mettre du Coran dans toute la maison. Et pendant toute la soirée, jusqu'au moment du coucher, il va laisser le Coran diffuser dans toute la maison. Puis, quelques heures plus tard, alors que toute la petite famille était en train de dormir, Selim va de nouveau rêver de ce vieil homme. Ce vieil homme va lui apparaître dans son rêve, mais cette fois-ci, il avait un air menaçant. Et il lui a dit, qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois? Je t'ai dit de quitter cette maison, toi et ta famille, je vous ai dit de partir de cette maison. Tu ne m'as pas écouté. Regarde ce que je t'ai fait faire dans ta voiture, donc quand il a failli avoir un accident de voiture. Je t'ai prévenu, je t'ai dit de partir. Tu as la tête dure, tu as la tête très très dure, et en plus tu mets du Coran, ça me brûle, ça me fait très très mal, tu essayes de me faire du mal, ok, il n'y a pas de problème, tu vas voir qu'est-ce que je vais te faire, je vais te le faire regretter. Et c'est à ce moment-là que le vieil homme, il a pris sa main, il a attrapé le tibia de Selim, et il a appuyé de toutes ses forces, et du coup, dans son rêve, Selim, il était en train de crier comme un fou, il hurlait de douleur, mais sauf que c'était aussi dans la réalité. Et du coup, il a hurlé de douleur. La femme de Selim s'est réveillée en sursaut pour savoir ce qui s'était passé, quoi. Et là, Selim s'est réveillé d'un seul coup. Il a commencé à crier, il a tenu du coup son tibia. Sa femme lui a dit, chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries? Et là, il n'était pas bien, il n'arrivait plus à respirer, quoi. Là, il avait du mal à respirer, il tremblait, il avait les larmes aux yeux, il transpirait, il était au plus mal. Il était vraiment au plus mal, il n'était pas bien. Et il tenait son tibia, sa femme, elle a allumé la lumière, il a levé sa gélaba, et là, il va voir que sur son tibia, il y avait la marque d'une main humaine. Il y avait vraiment les traces des 5 doigts, quoi. Mais c'était vraiment une marque très visible. C'était vraiment rouge. Donc, fallait vraiment que la personne, elle ait vraiment appuyé vraiment avec une force, mais extrême, pour que ça se voit comme ça, que ce soit aussi rouge que ça, quoi. Et en voyant ça, sa femme, elle lui dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette marque-là? Et tout ça, elle a commencé à s'inquiéter. Et lui, Selim, ben, il savait très bien, mais il voulait pas inquiéter sa femme. Donc il lui a dit, c'est rien, ça se trouve c'est moi, j'ai mis ma main sur mon tibia pendant mon sommeil, j'ai dû appuyer trop fort et tout ça, mais c'est rien, t'inquiète pas chérie, rendors-toi.
Mais elle était trop agitée, quoi, parce que voilà, quand elle a entendu son mari crier avec une telle force comme celle-ci, bah, elle a pris peur. Donc, elle avait un peu de mal à s'endormir, quoi. Donc, ils ont tous les deux récité du Coran. Et alhamdoulilah, quelques heures plus tard, Selim, pour lui, c'était quelques heures plus tard, mais quelques minutes plus tard, la femme de Selim s'est endormie. Mais pour Selim, bah, il s'est endormi, mais seulement quelques heures plus tard. Le lendemain matin, toute la petite famille descend pour prendre le petit déjeuner. Et il y a l'un des enfants qui va dire à Selim, « Papa, papa, viens voir le salon. Le salon, il est dans un état, mais catastrophique. Papa, vite, viens voir. Papa, vite, vite, viens. » Donc, Selim, il arrive en vitesse. Et là, il va voir que les deux canapés qu'il y avait dans le salon, ils étaient retournés. Ils étaient mis vraiment à l'envers, quoi. Ils étaient retournés, ils étaient à l'envers. Le buffet qui était sur le côté gauche du salon, il avait été tiré pour être mis tout au fond sur le côté droit du salon. Quant aux chaises de la table de la salle à manger, elles étaient toutes éparpillées dans tout le salon. Franchement, c'était vraiment horrible à voir, c'était un truc vraiment flippant. Mais surtout les deux canapés, c'était deux longs canapés très très lourds, ils étaient vraiment très très lourds, qui étaient retournés comme ça sur leur tête en gros, ils étaient vraiment totalement retournés, c'était flippant. En plus, le buffet, pareil, c'était un buffet qui était extrêmement lourd. Ils étaient au moins 3 ou 4 hommes pour mettre du coup le buffet à sa place. Et là, en une nuit, il était passé du côté droit du salon au côté gauche du salon. C'était un truc de fou. En voyant ça, Selim, il a tout de suite compris que c'était un acte du vieil homme. Il a tout de suite compris que ça, c'était un coup du vieil homme. Tout de suite, il a pas eu de doute, il savait très bien que c'était à cause de lui. Et là, sa femme, elle arrive, elle voit ça, elle commence à crier, « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous avez foutu le bordel comme ça? Mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est quoi ça? C'est quoi ça ?» Et là, les enfants, ils regardent leur mère et disent, « Mais maman, c'est pas nous, nous on n'a rien fait, nous on n'a rien touché, maman, c'est pas nous. » Et là, leur mère, elle leur dit, « Mais dans ce cas-là, comment que ça se fait que c'est le bordel comme ça? Il y a tout qui est retourné et tout ça. Vous avez aidé votre père à faire du changement dans le salon, quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, il y a la femme de Selim qui regarde son mari et qui lui dit, « Mais qu'est-ce que t'as fait, chérie? C'est toi qui as fait tout ça? Raconte-moi, je comprends pas. Aide-moi à comprendre, quoi. Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, Selim, il s'est dit, « Là, par contre, je peux pas mentir à ma femme. Là, je peux pas lui mentir et lui inventer une excuse. » Donc là, il s'est dit, c'est le moment, je vais tout lui avouer. Il lui a dit, « Ok chérie, viens avec moi, monte avec moi en haut à l'étage. On va aller dans notre chambre, il va falloir que je te dise quelque chose de très très important. » Donc elle s'est inquiétée, elle est montée avec lui. Une fois arrivée dans leur chambre, elle lui dit, « Chérie, là vraiment, là tu m'inquiètes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, tu me fais peur. J'ai le cœur qui va lâcher, raconte-moi s'il te plaît. » Et là, il va tout lui raconter. Il va tout lui raconter, ben, tout ce qui s'était passé depuis le début de leur emménagement jusqu'au jour où ils ont trouvé le bordel dans le salon. Il va tout lui raconter, il va lui parler du vieil homme qui lui a apparu dans ses rêves, du vieil homme qui lui a apparu en vrai dans le jardin, du vieil homme qui lui a apparu dans la voiture, et que c'était à cause de ça qu'il était à deux doigts de faire un accident de voiture. Il lui a tout raconté. La pauvre, elle était choquée. Elle était choquée, elle tremblait de peur, elle était pas bien, elle était choquée. Bon, elle était un petit peu énervée. Elle lui dit, « Mais pourquoi tu me l'as pas dit depuis le début? Pourquoi tu m'as caché ça? Moi, je suis ta femme, etc. etc. Imagine si cette chose s'en était prise à nous. Qu'est-ce qu'on aurait fait et tout ça? Tu aurais dû me le dire depuis le départ et tout ça. Moi, je suis ta femme et tout ça, etc. etc. » Et donc, ben, ils se sont un petit peu disputés tous les deux pendant quelques minutes. Et ensuite, ça s'est calmé. Et là, sa femme va lui dire, « Ben, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, chérie? On reste dans cette maison? Où est-ce qu'on la vend? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» Et là, son mari va la regarder et il va lui dire, « Mais non, 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 chérie. Nous, on va rester ici dans cette maison. C'est notre maison, ce n'est pas sa maison à lui. Nous, on a payé notre maison très, très cher. Donc, on va rester ici, vivre dans cette maison. » Et là, elle va lui dire, « Ouais, mais bon, imagine s'il nous fait du mal à nous aussi. Qu'est-ce qu'on va faire s'il s'en prend à nous ?» Et là, Selim, il lui a dit, « T'inquiète pas, vous, il ne vous fera aucun mal. Je ne sais pas ce qui se passe avec lui, mais il s'en prend seulement à moi. Donc, ne vous inquiétez pas, vous, il ne vous arrivera rien du tout. »
Et donc la femme de Selim, elle lui dit ok, d'accord, moi je te fais confiance, je suis ta femme, j'ai confiance en toi. Si tu dis que ben voilà qu'on reste habité dans cette maison, ben vas-y, je te fais confiance et ben d'accord qu'on reste vivre dans cette maison. Et c'est comme ça que la discussion s'est terminée. Ensuite, le couple a pris la décision de diffuser dans la maison du Coran tous les jours. Ils ont pris la décision de mettre du Coran dans toute la maison tous les jours afin de se protéger de cette chose. Une semaine plus tard, Selim était tout seul chez lui parce que voilà, sa femme et ses enfants étaient allés voir des membres de leur famille. Donc lui, il était tout seul chez lui. Il était tranquillement en train de regarder la télévision quand d'un coup, son regard va se diriger, je sais pas pourquoi, même lui ne sait pas pourquoi, vers la droite. Donc il va tourner la tête vers la droite où il y avait du coup la porte qui menait au couloir. Et là, il va voir qui ? Il va voir le vieil homme qui était debout devant lui. Mais cette fois-ci, il était grand. Mais il était grand. Il mesurait à peu près 1m90, 2m. Il était grand et tout imposant, comme ça, tout large. Il faisait flipper. Là, Selim, il a commencé à crier de toutes ses forces. Il a dit « Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. » Il mettait ses deux mains sur sa tête. Il disait « Laissez-moi tranquille, je vous ai rien fait, on vous a rien fait. A'oudoublem shalajim, laissez-nous tranquille, s'il vous plaît, je vous ai rien fait, laissez-moi tranquille. » Et ça a duré comme ça pendant plusieurs secondes. Jusqu'au moment où ce djinn, ce démon A'oudoublem, va parler. Il va lui dire, « Toi, je t'ai prévenu plusieurs fois. Plusieurs fois, je t'ai averti, je t'ai dit qu'ici, c'était ma maison et je t'ai dit de quitter cette maison avec ta famille. Je t'ai dit de quitter cette maison au plus vite car ici, c'est chez moi. Tu as la tête très très dure et tu continues de rester ici. Et en plus, tous les jours, tu mets du Coran avec ta femme et du coup, ça me brûle. Je vais te donner un dernier avertissement. Quitter cette maison, autrement, je vais m'en prendre à tes enfants. » Et là, il a disparu. Dès qu'il a disparu, Selim, là, il a tout relâché. Il a commencé à pleurer toutes les larmes de son corps. Il tremblait, il transpirait, il n'était pas bien. Il était à deux doigts de s'évanouir. Il n'était vraiment pas bien, le pauvre. Et là, il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Moi, je veux pas qu'ils s'en prennent à mes enfants et tout ça. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais d'un côté, moi, mes enfants, voilà, ils sont encore... ce sont des Mleikas, quoi. Ce sont des anges. Ils sont encore petits. Ils sont protégés et tout ça. Je pense pas qu'il va leur faire du mal. Ça doit être du bluff. C'est du bluff. Moi, je partirai pas de cette maison. Ici, c'est chez moi. Et donc, il a pris la décision, malgré cet avertissement, de rester vivre dans cette maison. Le soir même, quand sa femme et ses enfants sont rentrés de leur visite chez leur famille, il a pris la décision de ne rien dire à sa femme. Il a vraiment pris la décision de lui cacher ce qui s'était passé parce que là, elle aurait vraiment eu très très peur. Donc du coup, il a pris la décision de ne rien lui dire. Une semaine plus tard, alors que Selim était dans le garage en train de faire du bricolage, eh ben, il y avait sa femme qui était seule à l'intérieur de la maison qui était en train de préparer le repas. Donc lui, il était dans le garage tranquillement à faire son petit bricolage comme il faisait souvent. Et là, il va sentir une force qui était derrière lui. Il va sentir quelqu'un qui était derrière lui. Donc il va se retourner et il va voir un homme grand de taille, à peu près 1m80-85. Il était très très noir, avec une peau brillante, des yeux brillants, mais vraiment, il faisait vraiment flipper. Et là, quand il a vu, il a fait « Ah !» Il a eu peur, quoi. Il a fait « Ah !» Et là, il lui dit « Qu'est-ce que vous me voulez ? J'en ai marre, je vous ai rien fait, laissez-moi tranquille. » Et là, cette chose, elle est venue vers lui, elle lui a dit « Mon maître t'a prévenu. Il t'a prévenu plusieurs fois. Il t'a dit de quitter cette maison car cette maison, c'est la sienne et tu ne veux pas partir. Donc maintenant, il nous a envoyés pour te faire du mal. » Et à peine il a dit « il nous
a envoyés, que là, il y a eu deux autres hommes. Le pareil, hein, grand, 1m80, 1m85, noir de peau, les yeux brillants, pareil comme le premier, qui sont apparus d'un seul coup. Et tous les trois, ils ont commencé à le frapper. Ils l'ont frappé, lui ont mis des coups. Lui, le pauvre, il est en train de crier, de hurler de toutes ses forces. Sauf que sa femme, c'est comme si elle n'entendait pas. C'est comme si elle n'était pas dans la maison. Il avait beau l'appeler, hurler son prénom, crier de toutes ses forces, hurler de douleur, sa femme ne venait pas. C'est comme si elle n'entendait pas. Et à la fin, quand ils ont terminé de le frapper, tous les trois, ils ont disparu. Ils ont disparu tous les trois. Et c'est là qu'il s'est levé. Il a ouvert la porte qui mène à l'intérieur de la maison. Il a été voir sa femme. Sa femme, elle a vu, elle a commencé à crier de toutes ses forces. Elle a vu son mari en sang, il avait des bleus, des cocards de partout, il était vraiment dans un sale état. Et lui, il a commencé à lui crier dessus. Il lui a dit, mais t'étais où, j'arrêtais pas de t'appeler. Ils m'ont fait du mal, t'étais où? J'ai appelé ton prénom, j'ai hurlé de toutes mes forces, t'étais où? Et là, sa femme, elle va la regarder, elle va dire, mais moi j'étais ici, j'étais dans la cuisine en train de préparer le repas. Mais je te le jure, par Allah, je ne t'ai pas entendu crier ou même appeler mon nom. Et là, du coup, lui, il n'était pas bien et tout ça. Il s'est mis sur le canapé. Elle n'était pas bien. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Tu me fais peur. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est qui t'a fait ça? Elle n'était pas bien. Lui, il était là, son cœur, il battait vite. Normal avec ce qui lui est arrivé. Il tremblait, mais comme jamais. Quoi. Il était au plus mal. Il était vraiment au plus mal. Il était en état de choc. Parce que ce qu'il avait vu et ce que ces choses lui avaient fait, ça l'avait choqué. Il était le pauvre en état de choc. Et là, il va prendre la décision de tout raconter à sa femme. Il va tout lui raconter, tout ce qui s'était passé. Et là, sa femme, en entendant tout ça, elle était choquée. Elle était choquée, mais en même temps, elle était apeurée. Elle avait trop peur. Et là, elle a dit à son mari, là, par contre, chérie, il faut vraiment qu'on parte. Regarde, maintenant, ils t'ont fait du mal, ils s'en sont pris à toi. Regarde ce qu'ils t'ont fait, regarde dans l'état dans lequel ils t'ont mis. Là, il faut qu'on quitte cette maison, on s'en fout de cette maison, on en rachètera une autre, quitte à ce qu'on aille vivre même dans un autre appartement, dans un petit appartement. C'est pas grave, mais il faut vraiment qu'on quitte cette maison, s'il te plaît, chérie, il faut vraiment qu'on parte d'ici au plus vite. Selim, en entendant ça, il lui a dit, hors de question. Ici, c'est chez moi. C'est chez nous, on partira pas d'ici. Sa femme, elle le regarde, elle lui dit, mais t'es fou, la prochaine cible, ça va être moi, ça va être nos enfants. Regarde ce qu'ils t'ont fait. Non, il faut vraiment qu'on quitte cette maison. On s'en fout de cette maison, s'il te plaît, chérie, s'il te plaît, je t'en supplie. Viens, on quitte cette maison. Sauf que Selim, il lui a dit, il en est hors de question. Je partirai pas d'ici. Ici, c'est chez moi. Et on le fera partir. T'inquiète pas, je vais trouver une solution, je ne sais pas laquelle, mais je vais réussir à le faire partir. Mais ici, c'est chez nous et on ne partira pas d'ici. Quelques jours plus tard, Selim va de nouveau rêver de ce vieil homme, mais cette fois-ci, il était entouré de ces trois hommes, donc les trois hommes qui ont frappé Selim, et il va lui dire, voilà, je t'ai prévenu plusieurs fois, maintenant, je vais m'en prendre à tes enfants. Et il est parti, il a disparu. Et donc Selim, quand il s'est réveillé, il a repensé à son rêve. Il s'est dit, oui, je pense pas qu'il va s'en prendre à mes enfants, c'est que des menaces en l'air. Voilà, moi je partirai pas de cette maison. Quelques jours plus tard, alors que l'un de ses fils était sous la douche, en train de prendre une petite douche, ce qui est tout à fait normal, il va commencer à crier de toutes ses forces. Donc du coup, Selim et sa femme vont vite monter les escaliers et vont ouvrir la porte de la salle de bain. Et là, il y avait le petit qui était sous la douche, qui était apeuré, tout tremblant. Il est en train de pleurer. Donc la mère de ce petit garçon va lui dire « Qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries? Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, le petit garçon va lui dire « J'ai vu un vieil homme, il a voulu me faire du mal, il a voulu me frapper, il faisait très très peur, il a la peau noire, il a les yeux brillants, il fait trop peur, maman, il a voulu me faire du mal, je te jure que c'est vrai. » Et là, sa mère, elle lui dit « T'inquiète pas, mon fils, je te crois. » Ensuite, la mère de famille a sorti son fils de la douche et elle va voir que dans son dos, il y avait trois grosses griffures.
Là, ça en était trop pour la mère de famille. Elle est partie voir son mari, elle lui dit « Non, 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 regarde, il a trois grosses griffures sur le dos. Ça y est, maintenant il s'en prend à nos enfants. Là, c'est clair et net, moi et mes enfants, on quitte tout de suite cette maison. Tu nous suis ou pas, je m'en fiche, mais on va quitter cette maison ce soir. » Elle est partie dans la chambre des enfants, elle a commencé à prendre une valise, elle a commencé à prendre quelques affaires. Et il y a Selim qui lui disait « Mais non chérie, reste, t'inquiète pas, on va trouver une solution, je vais appeler un imam, Mouaraki, je sais pas, mais je vais appeler quelqu'un qui lise du Coran dans la maison, t'inquiète pas, ça va faire du bien, et peut-être que ça va faire partir cette chose de la maison, mais s'il te plaît, ne pars pas. » Sauf que sa femme, elle était bien décidée à partir. Elle lui a dit « Écoute chérie, tu peux me dire ce que tu veux, moi, je prends mes affaires, je prends mes enfants, et nous partons d'ici ce soir. » On va s'installer chez ma sœur ou chez mon frère, je ne sais pas encore, mais on va partir et on va quitter cette maison de l'horreur cette nuit. Sauf que Selim, lui, il ne voulait pas quitter cette maison. Il ne voulait pas perdre en fait. Il ne voulait pas que cette chose, que ce démon à haute blé gagne. Il ne voulait pas. Pour lui, c'était sa maison, c'était chez lui. Donc il lui a dit « Ok chérie, il n'y a pas de problème. Partez quelques jours chez ta sœur, allez vous installer chez ta sœur pendant quelques jours, voire même quelques semaines, le temps qu'il te faudra. Moi, je reste ici, dans cette maison, je vais essayer de trouver une solution. » Sa femme, elle s'est inquiétée, elle lui a dit « Non, chérie, s'il te plaît, viens avec nous, c'est trop dangereux, je veux pas qu'il t'arrive quelque chose, je t'en supplie, viens avec nous, s'il te plaît, toi, t'as vraiment la tête qui est très très dure, s'il te plaît, chérie, ne fais pas ça, viens avec nous. » Mais Selim, il avait la tête très très dure, il lui a dit « Écoute, chérie, partez. T'inquiète pas, moi, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah, il ne va rien m'arriver. » Et donc, en voyant que son mari avait la tête dure et en voyant que son mari n'allait pas quitter cette maison, elle a dit à son mari « Ok, pas de problème, mais fais attention à toi, récite bien tes protections avant de dormir, récite bien tes protections le matin au réveil, mets tout le temps du Coran dans la maison, s'il te plaît, fais très attention à toi. » Il lui a dit « T'inquiète pas, moi il y a Dieu qui va me protéger, t'inquiète pas, je vais le faire, je vais réciter Inch'Allah mes protections le matin et le soir, t'inquiète pas pour moi. » Et donc ensuite, il a pris la voiture, il a déposé sa femme et ses enfants chez sa belle-sœur et il est rentré chez lui. Il est rentré chez lui, il a regardé un petit peu la télévision et ensuite il a commencé à se faire tard. Donc il est parti dans sa chambre pour s'endormir. Alors que ça faisait à peu près quelques minutes qu'il était dans son lit, prêt à s'endormir, là, il va commencer à entendre des voix et des bruits et des murmures dans la maison. Il va entendre une femme et un homme comme s'ils étaient en train de se disputer, de se chamailler. Il va entendre d'autres voix, des voix de femmes, des voix d'hommes, des voix d'enfants, des rires d'enfants. Il va vraiment entendre plein de choses, plein de voix différentes. Et là, d'un coup, toutes les voix des femmes qu'il entendait, eh ben ces voix-là vont commencer à crier. Elles vont commencer à crier de toute leur force, comme des folles. Ça, par contre, ça l'a vraiment fait peur. Lui, il était dans son lit, récitait tout le Coran qu'il connaissait, afin de se protéger au mieux, mais il avait trop peur. C'était vraiment flippant, les cris de ces femmes, il était vraiment flippant et surtout choquant. Et là, il faut savoir que dans toute la maison, il n'y avait pas de carrelage, il n'y avait que du parquet. Donc, pendant qu'il était dans son lit à essayer de réciter son Coran pour ne plus entendre tous les cris et tous les bruits et toutes les voix qu'il y avait en bas dans la maison, il va entendre des sabots, comme des sabots qui étaient en train de monter les escaliers. Mais c'était vraiment tout doucement, ça faisait tac, 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 tac. Ça montait vraiment les escaliers tout doucement. Une fois arrivé au couloir, les bruits de ces sabots-là commençaient à se diriger vers sa chambre à lui, jusqu'au moment où le bruit de ces sabots-là se sont arrêtés pile poil devant sa porte, devant la porte de sa chambre. Et là, d'un seul coup, il va entendre toc toc toc, ça va toquer à la porte. Lui, il était là, il ne répondait pas, il n'a pas répondu, il était trop flippé. Il tremblait, il était dans son lit, il tremblait, il n'était pas bien le pauvre. Et de nouveau, toc toc toc. Et lui, il ne répondait pas. Il ne voulait pas dire c'est qui ou oui ou tu vois.
il a rien dit, il était vraiment pas bien. En plus, il était dans le noir dans sa chambre, donc il était vraiment au plus mal. Et là, quelques secondes plus tard, il va entendre quelqu'un ouvrir la porte de sa chambre. Et là, il s'est retourné, il a regardé, parce qu'il n'avait pas le choix, et il a vu une ombre noire, quelque chose de très massif, de très imposant, se diriger vers son lit. Donc lui, il était dans le noir, mais il y avait le reflet de la lune. Donc il y avait la lune qui éclairait un petit peu sa chambre. Mais il arrivait très très bien à voir que c'était une forme massive, très très noire, comme un homme, comme ça, comme une forme masculine, s'approchait tout doucement de lui. Et là, d'un seul coup, cette chose, elle s'est transformée en comme une vapeur, comme ça, comme une vapeur. Et cette vapeur-là, elle est venue vers lui et elle est rentrée dans sa bouche. Et pendant que cette chose entrait dans sa bouche et dans son corps, il était comme paralysé. Il bougeait plus, il n'arrivait plus à bouger, il arrivait seulement à cligner des yeux, c'est tout. Et il était là, il tremblait, il n'était pas bien, il avait peur. Jusqu'au moment où, pouf, plus rien, la chose elle était entrée dans son corps. Là, il a commencé à crier de toutes ses forces, il a allumé la lumière, il a crié de toutes ses forces, il a dit « Aoudou Belem Shalajim, Aoudou Belem Shalajim, Aoudou Belem Shalajim » trois fois. Il a commencé à crier, il était vraiment en état de choc. Il lui aura fallu 1h30 pour se calmer. 1h30 plus tard, il s'est allongé dans son lit. Il était assez paisible, il était même très très bien. Et il s'est endormi. Et là, il va rêver de nouveau de qui ? Du vieil homme. Il va rêver du vieil homme et ce vieil homme va commencer à rigoler et va lui dire « Ça y est, maintenant tu es à moi. » Tu m'appartiens, tu es à moi, tu m'appartiens. Ça y est, je suis ton maître maintenant, je suis ton maître. Et il y avait les trois démons qui l'avaient frappé, qui étaient derrière ce vieil homme. Et ils étaient là, tous les trois, en train de rigoler. Et le vieil homme va lui dire, ça y est, maintenant, tu es à moi, tu m'appartiens, et à partir d'aujourd'hui, je serai ton maître. Le lendemain matin, quand il s'est réveillé, Selim il va tout de suite repenser à ce rêve qu'il avait fait, donc la veille. Il va repenser à ce rêve-là et à ce qui s'était passé la veille, cette chose qui s'était incorporée dans son corps. Et il va repenser à tout ça et il va se dire « ça c'est pas normal ce qui s'est passé, c'est pas normal, je crois que j'ai été possédé par un démon, Aoudoublem Shalajim ». Je crois que j'ai été possédé par un démon, etc. Là, il va falloir que j'appelle un imam. Mais à chaque fois qu'il se disait « il faut que j'appelle un imam », il y a comme une voix dans sa tête qui lui disait « ne le fais pas, ne le fais pas ». Et donc, c'était plus fort que lui et à chaque fois, il n'appelait pas l'imam. Et ça a duré comme ça pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, tous les jours, il se disait « là, il faut que j'appelle l'imam, j'ai été possédé ». Mais il y avait une voix, une force qui était plus forte que lui, qui lui disait en gros de ne pas appeler l'imam. Et du coup, lui, vu que cette chose-là, elle était plus forte que lui, il écoutait cette chose-là et il n'appelait pas l'imam. Pareil, quand il voulait mettre du Coran pour essayer de faire partir cette chose, cette chose lui disait de ne pas mettre du Coran parce que ce serait très très mal. Et du coup, cette chose était tellement puissante que du coup, Selim renonçait à chaque fois à mettre du Coran dans la maison. Quand il avait sa femme au téléphone, il n'arrivait pas à lui dire. C'est plus fort que lui, c'est comme si c'est la chose qui était à l'intérieur de lui l'empêchait de parler, de raconter ce qui s'était passé. Et il essayait de toutes ses forces, mais quand il essayait, ça bloquait, il n'arrivait pas. Donc du coup, il n'arrivait pas à dire à sa femme ce qui se passait dans la maison. Et sa femme, elle pensait que dans la maison, il ne se passait plus rien, quoi. Et c'est là que sa femme lui a dit, écoute, je reste encore 2 semaines chez ma sœur. Et après, avec les enfants, tu viendras nous récupérer et on viendra s'installer, se réinstaller dans notre maison. Et là, Selim, il lui a dit, ok, pas de problème, on fait comme ça, Inch'Allah. Et la discussion, s'est arrêtée là. Quelques jours plus tard, il était là.
il a commencé à réciter du Coran dans son fort intérieur. Il a commencé à réciter du Coran. Et il sentait qu'il y avait des choses autour de lui qui étaient là, quoi, qui n'étaient pas très très contentes. Et surtout, la chose qui était à l'intérieur de lui, c'est comme si elle ne voulait pas qu'il récite du Coran. Elle ne voulait pas qu'il récite du Coran. Donc c'est comme si elle le maintenait, quoi, très très fortement pour pas qu'il récite du Coran. Mais lui, il essayait d'être plus fort que ça. Et donc, au fond de lui, il récitait du Coran, il récitait du Coran. Jusqu'au moment où il a, alhamdoulilah, grâce à Dieu, réussi à réciter du Coran avec sa bouche. Donc à ce moment-là, quand il s'est dit « ça y est, alhamdoulilah, j'arrive à réciter du Coran avec ma bouche », eh bien il s'est dit « je vais tout de suite appeler un imam afin qu'il vienne chez moi et qu'il m'enlève la chose qui est dans mon corps ». Quoi. Donc il a cherché le numéro d'un imam, il a trouvé un imam qui était dans sa ville, il l'a appelé, il lui a tout raconté de A à Z, donc tout ce qui s'était passé depuis le premier jour quand il a emménagé dans la maison jusqu'au dernier jour, ben, tout ce qui s'était passé, il lui a tout raconté, il lui a dit qu'il y a un démon qui est rentré dans son corps, il lui a vraiment tout raconté. L'imam lui a dit, ah ouais, là par contre c'est vraiment très très important, t'inquiète pas, je vais arriver aujourd'hui. 1h30 plus tard, l'imam est arrivé chez Selim, et dès que Selim a ouvert la porte et qu'il a vu que l'imam était en face de lui, et ben tout d'un coup, le comportement de Selim va changer. Il va commencer à être désagréable envers l'imam. Il va commencer un peu à lui manquer de respect. Il va lui dire « qu'est-ce que vous faites ici? Moi, je vous ai pas dit de venir, etc. etc. Dégagez de chez moi, vous n'êtes pas le bienvenu chez moi. » Vraiment, il lui a vraiment très très mal parlé. Alors qu'au téléphone, il n'était pas du tout comme ça. Au téléphone, il était très poli, très gentil. Il avait vraiment besoin de son aide. Mais là, l'imam, il a tout de suite compris que la personne qui était devant lui, c'était pas Selim, c'était pas le Selim qu'il avait eu au téléphone, mais que c'était bel et bien le djinn, a'oudoubillah, le démon qui s'était incorporé dans son corps. Et c'est là que l'imam est rentré un petit peu de force dans la maison. Il y avait Selim qui était là, sortez s'il vous plaît, sortez de chez moi, vous n'êtes pas le bienvenu, etc., etc., qui était vraiment pas bien. L'imam, il a pris par le bras, il lui dit, écoute mon fils, s'il te plaît, viens, on va juste discuter 5 minutes, t'inquiète pas, ça va bien se passer, tout ça. Mais sauf que Selim, il voulait pas discuter. Mais l'imam, il a insisté, et Selim, il a enfin réussi à s'installer sur le canapé. Ensuite, l'imam va commencer à lui poser quelques questions, et il y a des moments où Selim répondait à ses questions, et il y a d'autres moments où Selim ne voulait pas répondre à ses questions. C'est comme s'il y avait des moments où c'était Selim qui était là, qui était présent, et d'autres où c'est comme si c'était pas Selim qui était dans le corps, quoi. C'était aléatoire. Et l'imam a tout de suite compris, bien évidemment, que c'était le djinn qui était en train de parler et qui était dans le corps de Selim. Là, il n'a pas cherché à comprendre. Il a ouvert son Coran, il a dit Bismillah et il a commencé à réciter. Pendant que l'imam était en train de réciter Nurokia sur Selim, Selim n'était pas bien, il était en train de crier, il était agité, il était en train d'insulter carrément l'imam, il lui disait des gros mots, il n'était pas bien, il essayait de se défendre, se débattre, il essayait de partir, mais l'imam il essayait de le retenir avec une main et tout en tenant le Coran de l'autre main. Il essayait de faire comme il le pouvait, quoi. Et donc il essayait de le contenir. Mais l'imam, il ne lâchait pas l'affaire. Mashallah, mashallah, mashallah. Lui, il était là, il récitait, et il n'avait vraiment pas peur. Jusqu'au moment où cette chose va se manifester. Elle va se manifester, elle va lui dire, arrête de réciter du Coran, tu me brûles, tu me fais mal, tu me brûles, arrête s'il te plaît, je t'en supplie, arrête. Et là, l'imam va lui dire, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi t'es rentré dans son corps? Pourquoi tu l'as possédé? Qu'est-ce que tu lui veux? Et là, cette chose va lui dire, je suis entré dans son corps parce qu'il a la tête dure, il a la tête très très dure. Je lui ai dit de quitter cette maison plusieurs fois, mais il n'a pas voulu m'écouter. Je lui ai dit que j'allais lui faire payer, mais il n'a pas voulu m'écouter. Il a la tête très très dure, donc je lui ai fait regretter le fait d'être resté dans cette maison. Et malgré le fait que sa femme et ses enfants soient partis de la maison, lui, il a eu la tête très très dure. Il a voulu rester dans cette maison pour tout simplement se confronter à moi, et ça, je ne l'ai pas supporté, donc je suis entré dans son corps, et maintenant, il m'appartient, il est à moi.
Là, l'imam va lui dire, écoute, il est à personne, il appartient qu'à une seule personne, à Allah. Et là, l'imam, il a continué à réciter du Coran. Au début, le djinn, il ne voulait pas quitter le corps. Mais l'imam, il a tellement récité du Coran et il a tellement insisté qu'à peu près une heure vingt, à peu près plus tard, le djinn, alhamdoulilah, grâce à Allah, eh ben, il a enfin quitté le corps de Selim. Ensuite, quelques minutes plus tard, Selim s'est réveillé, il était un peu désorienté. L'imam lui a dit, t'inquiète pas mon fils, il a commencé à lui raconter tout ce qui s'était passé. Selim, il n'était pas bien, il a commencé à pleurer, et il a dit, alhamdoulilah, merci beaucoup de m'avoir fait enlever ce djinn qui était à l'intérieur de moi. Merci beaucoup monsieur l'imam, je vous remercie, merci beaucoup. Ensuite, l'imam lui a dit, si tu veux mon fils, là, je peux réciter du Coran dans toute ta maison. Comme ça, au moins, s'il y a des choses qui sont mauvaises, ça le fera partir. Là, Selim, il a tout de suite accepté. Et donc, l'imam, il s'est levé, il a pris son Coran, il a laissé se reposer un petit peu Selim tranquillement sur le canapé du salon. Il a été dans toutes les pièces de la maison et il a récité du Coran dans chaque pièce de la maison. Jusqu'au moment où l'imam a terminé de réciter le Coran dans toutes les pièces de la maison, il est revenu voir Selim. Il lui a dit, ça y est, maintenant, alhamdoulilah, normalement, tu n'auras plus rien. Normalement, la chose qui était mauvaise dans ta maison, normalement, elle est partie. Et normalement, il n'y aura que du bonheur, inshallah, dans cette maison. Ensuite, Selim a remercié l'imam. L'imam est rentré chez lui. Et directement, Selim a pris son téléphone, a appelé sa femme et lui a tout raconté. Il lui a tout raconté, tout ce qui s'était passé quand il était en train de dormir et qu'il a été incorporé. Il lui a tout raconté, tous les événements dont sa femme n'était pas au courant, et ben il lui a tout raconté. Sa femme, bien évidemment, elle était choquée, elle lui a dit, mais pourquoi tu me l'as pas dit, je suis ta femme, moi au moins je t'aurais épaulé, je t'aurais pas laissé tout seul dans cette maison, je serais venu te récupérer, etc., etc. Et il lui a dit, mais t'inquiète pas, maintenant, alhamdoulilah, grâce à Dieu et grâce à cet imam, cette chose, elle est partie de mon corps et normalement, cette chose est partie de cette maison. Donc, vous pouvez revenir vivre dans cette maison. Donc, il lui a dit, je vais passer, venir vous récupérer et vous ramener à la maison. Et c'est ce qu'il a fait. Une heure plus tard, il a été récupéré sa femme et ses enfants, de chez sa belle-sœur. Il les a ramenés à la maison. Et depuis que l'imam est passé faire une rokia à Selim et qu'il a récité du Coran dans la maison, eh ben il n'y a eu plus rien. Il n'a plus jamais rêvé de ce vieil homme. Il n'a plus jamais revu ces trois hommes qui l'avaient frappé. Il n'a plus jamais revu ce vieil homme qui était dans le jardin devant le feu de camp. Rien du tout. Il n'a plus jamais rêvé de ce vieil homme. Il n'a plus jamais entendu parler de ce vieil homme. Alhamdoulilah. Et du coup, dans cette maison, il était très très heureux avec sa femme et ses enfants. Il était apaisé, il était très serein. Il était vraiment comme au premier jour, quoi, avant qu'il commence à faire les rêves, quoi, les rêves du vieil homme. Il était comme au premier jour, il était apaisé, il était bien, il était heureux. Ben là, c'était pareil. Et donc, ça fait aujourd'hui 4 ans et demi que cette histoire s'est produite. Selim ainsi que sa femme et ses enfants vivent toujours dans cette maison. Selim n'a plus jamais revu ce vieil homme. Il n'a plus jamais entendu parler de ce vieil homme. Il ne s'est plus jamais rien produit dans sa maison, alhamdoulilah, grâce à Dieu. Et depuis, il est très 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 heureux. Sa femme est très heureuse. Ses enfants sont très heureux dans cette maison. Ils grandissent, ils commencent à grandir tous les uns après les autres. Et du coup, dans cette maison, il n'y a plus que l'amour, la joie, le bonheur et les rires, alhamdoulilah. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Salut !